Joyeux Halloween à tous et à tous, les Kaisers et les Kaiserines. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo de gaming, cette fois-ci pour le spécial Halloween de 2023. Et on va jouer au jeu vidéo The Harvester, qui est un jeu... Voilà, je vous laisse le générique. Parce que moi, je crois que je vais parler. Et bien, c'est un jeu vidéo d'horreur très spécial. Alors, c'est dans, je crois que c'est FMV, un truc comme ça. C'est un jeu, en gros, les cinématiques et tout sont faits par des vraies personnes, tu vois, c'est pas un truc en 3D. Vous voyez, c'est pas un truc en 3D. Et c'est un jeu d'horreur où on habite la ville d'Harvest, une ville remplie de tarés. Tout le monde est taré. Le seul gars qui est pas taré, c'est le personnage principal, mais l'acteur qui le joue, c'est le seul à être vraiment taré dans la vraie vie. C'est très particulier. Alors, bon, là, le début, là, ça ressemble juste à un jeu d'horreur et tout. Bon, le jeu a l'air dégueulasse comme ça, visuellement, parce que ça date de 2000, donc de 1997, je crois. Mais le jeu est vraiment génial. Alors, j'ai déjà un peu commencé à jouer, mais là, on va créer une nouvelle partie. Bon, j'ai déjà tenté de filmer là pour le YouTube, mais j'ai raté. J'adore ce plan. Alors, bon, je vous laisse le générique, hein. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Alors, le gars qui a fait ce jeu, c'est Gilbert Austin, c'est ça. Investor, jeu. Et en gros, c'était un, bah, un jeu, comme j'ai dit. Il y a du combat, hein. Vous allez voir, il y a un peu de combat. Bon, le jeu est quand même très malsain, je vous conseille de... Alors, je vous préviens... Oui, alors, oui, faut séparer l'homme de l'artiste, Roman Polanski, voilà, Marc Dutroux, c'était un grand électricien, voilà. L'acteur qui joue le personnage principal, en fait, a été condamné deux fois pour détention d'image, enfin, vous voyez très bien quel genre d'image je veux parler. Mais en dehors de ça, les gens qui ont travaillé sur ce projet sont rigolos. Voilà, c'est pour ça que je vous préviens maintenant, parce que je sais que ça dérange, et moi-même, par exemple, je peux pas voir les films de Polanski à cause de ça, mais... Voilà. Ah voilà, première cinématique du jeu. Vous allez voir, j'adore cette cinématique. J'adore ce plan. Vous allez voir, là il y a un plan que j'adore. Ce plan là il est génial. Là avec le marteau qui tape sur les de comment dire de du réveil. Vous voyez, là c'est filmé. Bon après ils ont redéglacifié. Ça rentre dans le jeu, mais voilà. Ça permet comme ça de pas pouvoir faire de cinématique et tout, et c'est pas mal. Alors, pour anecdote, sur le mugshot de quand il s'est fait choper, il avait la même chemise que dans le jeu, là, que vous venez de voir, là. Alors, bon, voilà, bon. Alors, on va... Attends, pour l'instant, on n'a rien fait. Ah, on peut ouvrir, putain. Alors, on va prendre des objets. Voilà, j'ai pris un stylo. 25 cents. Ok, c'est de l'argent. C'est quoi ça? Ah non, c'est des punaises. Je pense que c'est des vis avec... Pour le moment, le futur n'est guère reluisant. Voyez un peu. Vous allez voir, il y a des moments qui sont très choquants et d'autres qui sont très hilarants. Parfois les deux en même temps. Thunderbolt. Une maquette du Mustang P51 au 1 sur 36 collée n'importe comment. De toute évidence, une grosse collégienne a oublié ça. Une plante en plastique récemment arrosée. Un pin-up sexy. Alors, vous allez voir. Alors là, c'est la maison. C'est la chambre du père. Voilà, on peut pas rentrer parce qu'il est malade. Là, il y a le fils. Enfin, le fils, le frère du gars. Quoi? Sale rat, t'as intérêt à te tenir tranquille, sinon tu vas réveiller papa. Pourquoi un rat? Qu'est-ce que je t'ai fait? Cette fille t'a transformé en guimauve, et maintenant tu me laisses tomber. Eh ben si c'est comme ça, tu peux crever. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que je te laisse tomber? D'abord l'amour, ensuite le mariage, et à la fin un Steve avec une poussette. Mais qu'est-ce que tu racontes, nom de Dieu? Maman! Steve est en train de jurer. Jeune homme, n'utilise jamais ce genre de langage dans cette maison. Alors fais gaffe, hein.
Alors juste pour anecdote, quand j'étais petit, à un moment j'avais dit je le jure, un truc comme ça là, quand on promet. Et mon père il m'a toujours dit ne dis jamais que tu jures quelque chose. Et donc voilà, alors tu n'es qu'un seul morveux, pourquoi m'en vouloir autant? Ouais, et ben toi t'as des problèmes, et tu ferais mieux de pas oublier de mettre le journal dehors ce matin. Oui, alors les. Oui, tu vas. Essaie pas de jouer au plus fin avec moi. Tu sais que c'est ton tour cette semaine de sortir le journal. Si t'oublies encore, je voudrais pas être à ta place quand Jimmy t'attrapera. Oui, ben en fait, dans la ville, au lieu que ce soit un gars qui distribue le journal, en fait, c'est les gens, là, chez eux, ils sortent le journal pour que le gamin le récupère. Voilà, je sais pas pourquoi ils font ça. Ah, enfin. Attends. Ah merde, j'ai loupé la cinématique. Attends, je reviens. Ah, enfin. Laisse-moi tranquille, tu veux? Ah, c'est là que ça devient intéressant. Voilà. Ah, enfin. Voilà, je voulais juste vous montrer les petites cinématiques. Alors comme en fait c'est les trucs et tout sont pas raccord et tout, les changements de plan et tout sont très bizarres, mais vous allez constater ça dès le début. Alors on peut récupérer aucun objet, extincteur, les couteaux, j'aimerais bien récupérer les couteaux, mais non. Parce que vous allez voir, il y a du combat, des ennemis perso. Tiens, bonjour. Tu veux des cookies? Il y en a plein à la poubelle. Qui êtes-vous? En voilà des façons de parler à ta mère. Vous êtes ma mère? Tout à fait. Même si parfois, j'ai plutôt l'impression d'être l'infirmière de garde. Je ne me souviens pas de vous. Bien sûr que non. Jusqu'au moment où tu as besoin de chaussettes propres. Je me suis Non, je veux rapproché. dire, je ne me souviens pas vraiment de vous. En fait, je ne sais même pas où je suis, ni qui je suis. Pour l'amour de Dieu, Steve, arrête de faire le pitre. Tu sais, Steve, j'espérais vraiment que tu grandirais un peu une fois ton diplôme en poche. Maintenant, j'espère seulement que ton nouveau boulot te remettra les pieds sur terre. Alors c'est mon nom, Steve. Ton nom va être deux paires de claques, si tu n'arrêtes pas de faire l'idiot. Écoutez, je sais que ça paraît bizarre, mais j'ai perdu la mémoire. Vous ne me croyez pas? Tu as toujours été un farceur, Steve. Je ne plaisante pas. Mais oui, c'est ça. Tu vas aussi me dire que tu ne te souviens pas de Hank et de ta petite sœur. Alors, sœur, ça doit être le. Où il n'y a pas de truc. Après, je vais prendre des photos des textes, parce que je sais que des fois, il faut retaper à la main les trucs. Je prends des photos. Sœur. Une sœur? Tais-toi donc, tu vas la réveiller. Je viens juste de la coucher. Si elle Oh, se la grosse réveille, bébête. elle va vouloir encore manger. Mais enfin, j'ai du travail. Tu crois que je n'ai que ça à faire, écouter ton discours sans queue ni tête? Tu es encore plus fou que Sparky à la caserne des pompiers. Et alors? Peut-être que je suis timbré. Encore une chose dont je ne suis pas sûr. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'aider? C'est trop te demander quelques petits renseignements? Ah bravo, tu as gagné, ma pauvre chérie. Calme-toi, mon bébé. C'est ton frère qui t'a fait peur. Montre-moi. Maudite soit cette femme guêpe. C'est un vrai monstre. Alors, Sparky, on va voir le pompier. Qui c'est, Sparky? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de cette petite mauviette obsédée par les tuyaux d'arrosage? Ta propre sœur vient d'avaler une tarentule et tout ce que tu trouves à faire, c'est de poser des questions stupides. S'il s'agit bien de ma sœur... Maintenant, ça suffit. Va embêter Hank ou Stéphanie et laisse-moi préparer mes cookies. Hank? Hank, Le gosse là à côté de la ton télé? famille s'est Ton huée. petit frère est On malade. Il ne va pas à l'école aujourd'hui. Alors ne commence pas à l'effrayer avec tes sornettes d'amnésie. Il est vraiment malade? Jette un coup d'œil à ce qu'il regarde comme émission. Il est complètement atteint. Je voudrais bien l'en empêcher, mais j'ai tant de choses à faire avec ces cookies pour la kermesse du cercle des ménagères. C'est vendredi, tu sais. J'espère que tu comptes toujours y aller. Je ne sais pas. Je dois réfléchir. Bonté divine! Osez manquer la vente de charité. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais je ne sais pas, bon Dieu. C'est ce que j'essaie de te dire. Oh! Comment oses-tu utiliser un tel langage dans cette maison? Tu as de la chance que ton père n'ait rien entendu. Ou Stéphanie, d'ailleurs. Comment Mais elle n'est crois-tu pas qu'elle le ici. prendrait si elle découvrait que son fiancé jure comme un charretier? Attends, je vais vous montrer le cheat code, le pire cheat code de. Vous allez voir. Quelque chose d'étrange à dire à sa propre mère. Est-ce que je dois y voir un sous-entendu maintenant que ton père est hors service? Plus tard peut-être, mon lapin. Pour le moment, j'ai du ménage à faire. Mais tu peux regarder si tu en as envie. Non, N'oublie merci. pas de sortir les journaux pour Jimmy. Tu sais comme il s'énerve. À quel endroit de taré. Alors, bon, on s'en va. Alors,
Les lignes à haute tension baignent en permanence votre maison dans un champ électromagnétique tonique et très sain. Alors. Hey Steve, je suis Jimmy James, tu te souviens de moi ? Je crois que non. Et comment ça se fait que t'as pas sorti le journal le matin ? Eh bien pas moi, sale égoïste ! Comment tu veux que je gagne ma vie honnêtement ? Si tu mets pas le journal dehors, je suis au chômage ! Et alors, oui, honnêtement. Tu n'es pas payé pour ramasser les journaux de toute manière ? L'immeuble du Sentinelle a brûlé. Qu'est-ce que tu crois que je peux faire d'autre ? Écoute, mets le journal dehors et tout sera d'équerre, d'accord ? C'est tout ce que je veux. Ça et une paire de tennis. Marcher tous les jours, ça a détruit les miennes. Dis, t'en as pas une paire en trop ? Super, c'est cool. Peut-être que tu pourras me les échanger ? Qu'est-ce que tu échanges ? Tu connais Mademoiselle Wallet et Eril le Dirlo à l'école ? Eh bien, j'ai découvert qu'ils batifolaient tous les deux. Je peux te dire quand et où ils se rencontrent. Et je t'échange les clés qui te permettront de les surprendre la main dans le sac. Qu'est-ce que t'en dis ? C'est intéressant. Avant de te donner les clés, fais-moi voir ces tennis. D'abord les clés, ensuite les tennis. Et non, si tu crois me la jouer fine, tu te gourres. Tu n'auras pas les clés tant que je n'aurai pas vu ces tennis. C'est tout vu. À plus tard, tétard. C'est un tétard, il croyait qu'il était tôt, mais en fait il était tard. Alors, voyons voir. Magasin, bureau de poste, coiffeur, base des missiles. Ah, on va aller à la base des missiles. Attends, d'abord je vais enregistrer. Je vais d'abord enregistrer juste. Échappe. Sauvegarder. J'ai fait un déplacement exprès. Alors la partie 1, c'était juste j'avais fait des tests et tout. Et là, YouTube, en fait, j'avais refait le même truc, mais j'ai dû... voilà, bon, j'écrase le truc d'avant, et voilà. Parce qu'en fait, le son était dégueulasse et tout. Là, je fais la vidéo en avance. Alors, bureau de poste, coiffeur, magasin. On va à la base des missiles, c'est rigolo. Bizarrement, la guérille du gardien est le seul bâtiment de la base. Cette base est plutôt bien fournie en missiles. Un avion semble bien entretenu. Halte, qui va là ? On m'a dit que je m'appelais Steve. Ah oui, l'unité 21. Garde tes distances, petit, je voudrais pas avoir à te faire sauter le caisson. Moi non plus. Ah, alors comme ça, tu es amnésique, hein ? Encore un truc bidon pour se faire réformer, oui. Bon, au moins, tu n'es pas un extraterrestre. On voit leurs vaisseaux de temps en temps, et parfois, Svel en fracassin dans la forêt. Qui êtes-vous ? Colonel Buster Monroe, commandant en chef des missiles nucléaires de Harvest. Je protège la patrie de ceux qui peignent le drapeau national en rouge, noir et rose. Ce sont des missiles nucléaires ? Et pas qu'un peu, mon gars. Chacun d'eux est prêt à tuer un million de Rouskov. Tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur ce bouton, et bam ! Le prix de la vodka explose. La vodka aussi, d'ailleurs. Eh oui, tout à fait. Je suppose que vous avez des... Vous savez, des mesures de sécurité. Sécurité ? Fais pas la fillette, mon gars. Ça, c'est de la sécurité. Nous sommes dans les années 50, mon gars. Vous voulez dire que vous êtes le seul à contrôler ces... ces missiles ? Tout à fait. Fidèle au poste depuis la Seconde Guerre mondiale. Quand je me suis fait plomber le bas du ventre par ces chacals. Ils ont tous baissé leur froc à Washington. Ah. Ils ont tous baissé leur froc à Washington. Ils ont voulu me coller derrière un bureau. Tu parles. Après tout ce que j'avais fait pour eux. J'ai laissé mes jambes à Düsseldorf, moi. Ils me doivent une fière chandelle, oui. Ils pensent que parce que j'ai rampé de l'Allemagne à l'Angleterre en tenant mes intestins dans mes mains, j'ai été trop marqué pour rester dans l'armée. C'est pourquoi ils m'ont filé ce petit boulot peinard. Ah, j'ai compris la blague. Vie, c'est missiles atomiques. À part ces salauds de communistes, la plus grande menace pour notre belle démocratie, ce sont ces maudits extraterrestres. Est-ce que tu savais que 90% des vaisseaux sont repérés près des zones militaires ? Bah évidemment, parce que c'est les gens qui observent. Canards chaque fois que j'envoie un de leurs vaisseaux. Mais mes balles n'ont aucun effet sur leurs lessiveuses. Je suis quasiment sûr que c'est l'ordre qui tire les ficelles dans tout ça. Mais essaie de dire ça aux gens d'ici. Je vais te dire, mon garçon. Un holocauste atomique est largement préférable à un putsch de ces satanés martiens de Pluton. Bon sang ! Je les canarde chaque fois que j'en... Je vais te dire, heureusement c'est moi qui ai les cartes en main si ça se produit. Quand on s'est fait découper en deux, on en connaît un rayon sur la peur, mon gars. On apprend que lorsqu'un malheur arrive, c'est jamais aussi grave qu'on le pensait. Ah, oh, bien sûr, les claquettes, c'est terminé. Ah, oh, bien sûr, ah, les claquettes, c'est terminé. J'ai aussi allongé pas mal de fric pour m'acheter des goutte-à-goutte portables et des sacs pour colostomie. La douleur n'est pas vraiment constante.
Parfois, j'ai la chance de tomber complètement dans les pommes. On ne demande pas à l'être humain de souffrir plus qu'il ne peut. Bien sûr, il y aurait des morts lors d'une explosion atomique, mais on doit bien mourir un jour ou l'autre, mon garçon. Et puis les survivants iraient faire un petit tour dans le vieux bunker anti-radiation. Ils ressortiraient 2 semaines plus tard, frais comme des gardes, prêts à apporter leur pierre à la construction d'une nouvelle société. Quand j'y pense, je me demande pourquoi je n'appuie pas sur le bouton maintenant. Ça me ferait les vacances. Donne-moi une bonne raison pour ne pas le faire. Tu as raison, soldat. Parfois, une douleur intense m'obscurcit l'esprit. Les esprits me murmurent des choses à l'oreille. Ils parlent des jolies mangues là-haut dans les arbres. Et je sais qu'ils peuvent me voir. Ils nous voient tous. Tu ne les entends pas. Ils discutent avec les lamas dès qu'on a le dos tourné. Ils veulent le cornflakes, mais pas le lait. Je vais parler des cornflakes. Tu es devenu fou? Tu penses qu'on peut s'amuser avec moi parce que je n'ai plus que la moitié inférieure de mon corps, espèce de sale gosse? Ou alors tu es un de ces enfoirés de communistes? Souviens-toi, tous aux abris! J'ai survécu! J'ai survécu! Alors, on va aller voir l'ordre. Alors, examinez trous. Des yeux pourpres aux reflets malsains luisent dans les ténèbres. Un liquide verdâtre et inquiétant s'échappe de la canalisation. On dirait que c'est presque aussi vieux que le bâtiment lui-même. La maçonnerie doit être du Moyen-Âge. Ah non, le Moyen-Âge, c'est avant la découverte de l'Amérique. Examinez le... Seuls les initiés peuvent pénétrer dans l'antichambre de l'Ordre de la Lune d'Harvest. Vous avez dit quelque chose? Je n'ai pas parlé, mais mon esprit a touché le tien. Si, t'avais la bouche ouverte. Mais comment? Seuls ceux qui cherchent à s'élever méritent mon attention. As-tu soif de la vraie connaissance? Des connaissances interdites, des plaisirs interdits, ou qui n'ont pas encore été découverts. Mais ils ne sont pas pour toi. Pas encore. Tu dois d'abord remplir un formulaire d'inscription pour pouvoir être introduit au rite des mystères. Voilà la poste. Les formulaires sont disponibles mais au, oui, bureau au bureau de poste. Le receveur Boyle en distribue aux non-initiés. Je ne m'abaisse pas à ça. Alors je le remplis et je vous le remets, c'est ça? Un formulaire d'inscription ne s'obtient pas comme ça. Il faudra sûrement trouver un moyen de persuader le receveur Boyle de t'en remettre un en milieu de mois, en dépit des règles. Quand ce sera chose faite, reviens me voir. Et si tu es apte, tu devras passer un test. Attendez, où est mon téléphone? J'ai fait quoi de mon téléphone? Ah, il est là. Ah, j'ai oublié de lancer le minuteur. Attendez, je lance le minuteur. Voilà. Voilà, bon, l'épisode terminera dans 50 minutes. Et... Alors, où est-ce qu'on va? Bureau de poste, on va au bureau de poste. Bon, je sais que ça va pas marcher, mais voilà. Cette femme aveugle et désespérante lui son courrier. 3 horloges différentes, 3 heures différentes. Oui, j'ai besoin d'un renseignement. C'est le gars qui fait la voix dans Retour vers le futur. Qu'est-ce que je peux faire pour le doc. Toi? Désolé, jeune homme, nous n'avons plus de formulaire d'adhésion pour l'instant. Allez, vous devez bien en avoir un quelque part. J'ai bien l'original, mais tu ne peux pas écrire dessus. Et je ne fais des copies qu'une fois par mois, pas plus. C'est réglé, comme du papier à musique. J'ai bien peur que non. Je suis désolé, tu devras revenir au... C'est important, ils m'ont... C'est ce qu'ils disent tous. Receveur Boyle, c'est une question de vie ou de mort. Je dois entrer dans l'ordre. Je ne peux pas faire d'exception, jeune homme. Ce ne serait pas juste. La prochaine fois que tu envoies du courrier, n'oublie pas le code postal. Ah ah. On dirait que Pastorelli a oublié de sortir les journaux pour Jimmy. Alors. Là, comment il marche, c'est trop bizarre. Alors,
coiffeur, magasin. On va chez le coiffeur. Pastorelli. Pastorelli. Ah merde. Pardon. Ça fait... Alors, la déco incroyable. Commençons par la tête d'alien. Un extraterrestre malheureux qui a voyagé pendant des années lumière pour finir à accrocher sur le mur d'un coiffeur. Porte-manteau. Jim Job, le meilleur joueur de baseball de l'école, il y a 20 ans, accroche son blouson ici lorsqu'il vient. On s'en fout. Cette télévision surélevée assure à celui qui le regarde un torticolis instantané. Il faut avoir l'esprit sportif pour s'attaquer aux vaches folles. Formé à partir de mousse à raser solidifiée et de gel coiffant, ce magnifique mannequin est une véritable œuvre d'art. Une photo de Pastorelli en jeune étalon. Alors non, ça c'est une photo de Kim Jong-il. Pourquoi il détruit la Seconde Guerre mondiale ? Le colonel Buster Monroe détruisant des moineaux avec son bédit. Détruisant des moineaux. Alors, mouton. Malgré les touffes de laine qui sortent sporadiquement de sa bouche, on ne saurait pas dire si ce mouton est vivant ou mort. Oh, c'est horrible. Attends. Photo. Une photo de Pastorelli, des spaghettis au lait. C'est Clem Parsons qui a pris cette photographie très rare dans les sites. C'est quoi ça? Ah, je peux pas. Salut, mon jeune ami. Dis-moi, ces extraterrestres dont je t'ai parlé, ils sont revenus la nuit dernière. Ils ont encore tondu une sorte de cercle dans mon champ, au sud. Comment se fait-il que je n'ai jamais vu une seule de leurs soucoupes, hein, Clem? Ces extraterrestres, ils sont malins, Peter. On ne traverse pas des galaxies entières sans apprendre un ou deux trucs. Baraguin, rien de plus. Ce stupide Canelloni. Écoute, le vieux Clem Parsons, tu sais ce qu'il a fait, Pastorelli? Hier, il s'est acheté un système d'alarme pour l'enseigne de son salon. Seulement, il sait pas l'installer, alors il l'a monté n'importe comment. Ça veut dire qu'on peut... Ça veut dire qu'on peut cambrioler, peut-être. Pastorelli s'est fendu d'un système d'alarme, d'accord? Mais il est trop radin pour payer un électricien pour l'installer. Ce pauvre idiot, il l'a branché sur le système automatique de protection contre l'incendie. Alors, quand l'alarme sonne, ça se met à arroser de partout. Bon Dieu, si les extraterrestres cherchent une forme de vie intelligente, il vaut mieux qu'ils aillent chercher ailleurs que dans sa boutique. Alors, extraterrestre? Tu sais, petit, le comportement des extraterrestres est un concentré de connaissances de la forêt. Leur fonctionnement est inconnu de tous, sauf d'un amateur de sport rusé comme moi. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que l'extraterrestre moyen est plus malin que l'humain moyen. Alors il faut être particulièrement soigneux quand tu fabriques ton piège si tu veux en attraper un. Vous chassez les extraterrestres? Petit, après avoir descendu un extraterrestre, tu ne peux plus te contenter d'une simple caille. Quoi? Tu crois qu'on peut en obtenir une comme ça dans une brocante? Installe ton piège avec du plomb pour dérégler les détecteurs sensoriels. Reste sans bouger et attends, de préférence dans les bois qui entourent la base nucléaire. Ils adorent traîner par là. Et pourquoi pas dans ton champ, Clem? Tu les attendrais et tu pourrais faire un carton. Tu sais avec quoi ils font leur truc dans mon champ, espèce d'idiot? Avec des rayons laser! Tu ne sais donc rien? En plus, je n'ai pas l'endroit pour installer le piège dans mon champ. Écoute, Clem Parsons, si tu veux capturer un de ces êtres inhumains, ils ont traversé le grand vide pour découvrir ce qu'il y avait derrière, sans savoir qu'en fait, ce qui les attendait, c'était de la chevrotine. Ouais, imaginez, on envoie des gens dans l'espace et tout, et en fait, comme, je sais pas, comme dans Interstellar, où juste des gens pour coloniser l'espace, et ils tombent sur des cons comme ça. Pastorelli est un drôle de loustique. Ah oui, c'est sûr. C'est un étranger, tu sais. Il coupe les cheveux pas trop mal, hein, mais il ne sait rien pour le reste. Demande-lui juste de t'installer un système d'alarme si tu veux vérifier. Ouais. Ah oui, c'est lui qui traite les trucs. Le gars, il part d'extraterrestre, il aime pas les trucs. Et à la prochaine, Steve. Alors, Monsieur Pastorelli ne répond pas, il ne comprend que l'italien. Attends, c'est quoi ce truc qu'il y a dans le verre? On dirait des brosses à dents.
Bien le bonjour, Steve. C'est ça, bien le bonjour. Monsieur... Peter Swell, Steve. Arrête de me charrier. Tu as changé d'avis au sujet du revêtement en aluminium. De quoi parlez-vous? Je crois vraiment que tu devrais convaincre ton père d'en acheter. Je sais qu'il en a les moyens, tu sais. C'est vraiment valable, un bon revêtement en aluminium. Ça conserve la chaleur en été et la fraîcheur en hiver. Pastorelli devrait m'en acheter un aussi. Mais je n'arrive pas à lui faire comprendre un mot de ce que je dis. Alors, j'ai envie de parler du mouton. Je ne comprends pas pourquoi Pastorelli garde cette affreuse chose ici. Ça doit lui rappeler les pâturages d'Italie, un peu comme moi avec mes clés à molette sous mon oreiller. Comme ça, je peux rêver de plomberie. Ah, c'est une bonne idée, ça. Enfin, je vais... Pastorelli est couillon jusqu'à l'os. Demande à Clem Parsons, ici. Comment il a déglingué son système d'alarme. Je suis plombier. Je pourrais lui réparer, mais il est complètement bouché. Ah, on va parler de plomberie. Eh bien, j'ai compris que le truc du revêtement en aluminium n'allait pas marcher. Alors j'ai pris des cours de plomberie par correspondance. Et ça, c'est un boulot qui ne te laisse jamais un moment à toi. Tu serais surpris d'apprendre ce que les gens balancent dans leurs toilettes. Attends, je vais taper toilette, je veux savoir qu'est-ce qu'ils mettent. Bon, arrête de faire l'idiot maintenant. Attends. Bon, arrête. C'est sympa de te revoir, Steve. Attendez, je vais sauvegarder. Et je reviens, je vais vous montrer un truc. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a pris? S'attaquer à quelqu'un comme ça avec tous ces témoins autour? Enfin, tu auras le temps d'y réfléchir. Avec tous ces témoins autour, le gars il me reproche d'être con, pas d'avance. Au secours, aidez-moi! Regardez le fond vert. Mais regardez ses cheveux, il y a du vert sur le côté. Trop tard pour ça, fiston. Pas vrai, sergent? Bien sûr que oui, shérif. Les réponses ne sont que dans l'ordre. Et il faut être vivant pour les trouver. C'est super bien joué. Hein. Ok. Chargement. On va revenir sur la partie. Oula. Je vais vous montrer un deuxième truc. J'ai jamais vu quelqu'un marcher comme ça, c'est très effrayant. On retourne à la base des missiles. Bon, ok, maintenant on va jouer sérieusement. Alors, attends, je regarde juste mon inventaire. Ah non, on peut pas. Bureau de poste, magasin. Oh, le magasin, pour l'instant, il n'y a pas besoin. Rush, Potsdam, maison abandonnée chez Johnson. On va. Abandonner chez Johnson. Chez Potsdam. Magnifique maison dégueulasse. Enfin, mieux vaut vivre dans ça que pas de maison. Alors, c'est l'homme de la maison étreignant sa viande. Une urne funéraire. Oh. Lampe. Le rembourrage est taché par des années de sueur abondante.
Alors, monsieur Potsdam. Ah, le voilà, mon futur gendre. Et comment se porte-t-on aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'amène dans la demeure des Potsdam, hein? Ah, il va falloir demander à la patronne pour ça. Ah oui, c'est vrai. Stéphanie n'a plus le droit de sortir jusqu'au mariage. Je ne peux pas me permettre qu'elle change d'avis à la dernière minute. Il y a trop de viande en jeu. Alors, on va parler de viande. La viande est à la base de toute société qui se respecte. Chacun a besoin d'au moins 3 plats de viande par jour. Celui qui me contredira ne peut être qu'un communiste. Grand philosophe. Et quand tu seras marié à Stéphanie, moi aussi, je ferai partie de la famille. Et ton père me donnera autant de viande que je veux. Ça compensera pour ne pas avoir été accepté par l'ordre. Je n'ai pas vu mon père, il est enfermé dans sa chambre. Je l'entends gémir, c'est tout. Il ne va pas mourir, au moins. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas trop. Cette femme, ma mère, elle est la seule à s'en occuper. Eh bien, la prochaine fois que tu le vois, n'oublie pas de le saluer pour moi. Et dis-lui que je prie pour qu'il guérisse vite. Et aussi, si tu pouvais lui parler de la viande. Oui, parle-lui surtout de la viande. Oui, d'accord. Si je le vois. Tu devrais te montrer un peu plus inquiet. S'il meurt, qui va diriger l'abattoir? Qui va s'occuper de la viande? Mais comme tu es son fils, tu prendras sa succession, n'est-ce pas? Abattoir, viande... Abattoir. Je ne connais pas de plus beau métier que de travailler dans un abattoir. Ok. Que ta langue de vipère t'étouffe, Steve! L'abattoir de ton père est l'entreprise la plus prospère de tout Harvest. Tu vas adorer cet endroit. Bien sûr, fendre un animal en deux, ça n'est pas très amusant. Rentrer sa tête à l'intérieur pour arracher les tripes et les intestins gluants et sanguinolents qui viennent se coller à ton visage. Cette terrible puanteur et ces excréments qui envahissent tes narines. Oui, on peut éprouver quelques réticences. Mais une fois qu'on a terminé, une fois que toutes les entrailles ont été extirpées, on se retrouve avec quoi? De la viande. De la viande. Des kilos et des kilos de viande, rouge et succulente. Ok. On va voir la mer, voilà, c'est là aussi je tardais. Attends. Plante en plastique avec des boules en polystyrène. C'est fourré en pêche tempête du voyage. C'est fermé. La cuisine est parfaitement immaculée sans bon lavant. Bonjour Steve. As-tu pensé à utiliser le fil dentaire aujourd'hui? Eh bien, Stéphanie n'a pas la permission de sortir, Steve. Pourquoi? Je n'en ai pas la moindre idée. Monsieur Potsdam lui a dit d'aller dans sa chambre et elle y restera jusqu'à ce que Monsieur Potsdam dise au contraire, probablement jusqu'au jour du mariage. Monsieur Potsdam pense qu'il y a trop en jeu pour laisser Stéphanie faire ce qu'il lui chante. Elle ne veut pas se marier, c'est ça? Est-ce que tu sous-entends que tu ne souhaites pas épouser notre fille? Je ne connais pas votre fille, Madame Potsdam. Pourquoi n'a-t-elle pas la permission de sortir? Vous avez peur qu'elle s'enfuit avant le mariage? Non. Ce mariage lui fait aussi plaisir qu'à nous. Elle est véritablement enchantée. Mais elle pourrait être écrasée par un camion, un piano, ou Dieu sait quoi. Le dessin animé. Monsieur Potsdam souhaite simplement que nous puissions être une famille heureuse et soudée. Il ne veut pas qu'un imprévu vienne tout flanquer par terre à la dernière minute. Je n'y vois pas d'objection. Tu ne dois pas être trop dur avec Monsieur Potsdam, Steve. Il est déçu par la vie. Il a beau remplir des dizaines et des dizaines de demandes d'inscription à l'ordre, ils lui disent toujours non. Mais il vient de faire une nouvelle demande, alors croise les doigts. S'il est admis dans cette organisation, toi et Stéphanie, vous pourrez vous marier dans la chapelle de l'amour plutôt que chez Monsieur Monahan. Monahan. Monahan.
Monsieur Monahan possède l'hôtel Wayward et l'établissement des pompes funèbres de Shady Oaks. On murmure qu'il entretient des relations avec l'ordre, mais cet organisme ne divulgue pas ce genre de choses. En tout cas, Monsieur Potsdam a essayé de se mettre bien avec lui pour qu'il glisse un mot aux gens de l'ordre pour ce qui est de sa candidature. Mais pour l'instant... Que savez-vous au sujet de l'ordre ? Je sais seulement que c'est un endroit très fermé et très secret. Si cela t'intéresse, tu peux toujours prendre un formulaire de candidature au bureau de poste et le remettre au maître d'armes. Pour aller dans une secte. En fait, c'est une excellente idée. Oublions, Monsieur Potsdam. Si tu devenais membre de l'ordre, le mariage pourrait avoir lieu dans le bâtiment de l'ordre. Oh, ce serait merveilleux. Mes salutations à tes parents. Ok, on va aller voir Stéphanie. Alors, on va d'abord aller là. Oh, alors je sais pas, on dirait de la viande, comme ça c'est trop bizarre. Alors, armoire pharmacie. Alors. Mal de tête, ok. Je sais pas ce que c'est. On prend tout. Une pommade contre l'eczéma. Précaution d'emploi, ne pas l'utiliser pour faire des cookies. Mais n'importe quoi. C'est des tampax. Il faudrait demander la permission à Stéphanie. Allez, on prend. Un fil dentaire. Ah, c'est intéressant ça. Je veux le fil dentaire. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est bandage. Ok. Voyons voir. Alors. Une fenêtre ouvre sur une vue imprenable sur une. Cette fenêtre ouvre une vue imprenable. Cette fenêtre ouvre une vue imprenable sur cette splendide tôle ondulée. Une pellicule de poils. Oh non, je vais pas lire ça, c'est dégueulasse. Alors, oh oh oh, il fonctionne. Ah bah non, c'est je viens de le faire. Un truc sur le mur est un peu de travers. Oh non. Bon bah c'est Stéphanie, voilà. Bon, bonjour Stéphanie, comment allez-vous? Alors, c'est la seule fille mineure, enfin adolescente, c'est la seule adolescente qu'il y a dans cette maison. Alors, les parents, voilà. Ça vous donne une idée. Ça va aller de plus en plus mal, ça, vous inquiétez pas. Examinez les choses. Vous savez, c'est un de ces trucs, là. Alors là, on peut pas, le placard. Ça fait très bizarre, là, le truc tout noir, là, dans... Meuble. Allez. Alors, je vous jure, là, je sais pas si c'est un robot ou un truc comme ça, mais en fait, je sais pas pourquoi, dans ma tête, quand j'imaginais son visage, elle, je pensais pas à son visage de l'actrice, je pensais au visage de Gwen, là, qui était dans mon film, là, où elle était avec la danseté, enfin, danseté. Avec la robe là, de Lolita, mais c'était très spécial. Et ça fait penser à ça. Et surtout, je viens d'y penser, comme elle aime bien s'habiller en rose, des fois je l'appelais Stéphanie en référence à Stéphanie dans Les Itomes. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Tu n'es pas au courant? Nous allons nous marier. Alors c'est toi, Steve, n'est-ce pas? Tu veux dire tu ne me connais pas? Je veux dire que je connais personne. Je ne me rappelle de rien. Combien de fois vais-je devoir lui dire? Une seule fois, Stéphanie, parce que je ne me souviens absolument de rien non plus. Vraiment? Dieu soit loué, je croyais être la seule. Tu n'es pas seule. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Ces gens en bas m'ont enfermée dans ma chambre. Ils m'ont dit que j'y resterais cloîtrée jusqu'à mon mariage. Alors, ces gens... C'est beaucoup de choses. Attends, je prends en photo. Ah, j'ai pas pris la photo. Mais... Ah. Non, pas la lampe torche. Voilà. On va commencer par ces gens. Ils affirment être mes parents. Je ne peux pas le nier parce que je ne me souviens de rien, mais ça me semble bizarre. Ah ben elle aussi. Tu as une idée d'où tu viens? Non, mais je suis presque certain que je ne suis pas d'Arvest. Pareil pour moi, je ne me rappelle de rien, mais je sens au fond de moi-même que la femme en bas n'est pas ma mère. Elle est comme une chose, un fantoche, une mauvaise blague dont la chute serait ta mère. Est-ce que ça a un sens? Le matin, j'ai quatre pattes. Le midi, j'ai deux pattes. Le soir, j'ai trois pattes. Qui suis-je? Ma belle-mère! Ta mère! Non, c'est l'homme, en effet. Je suppose. Parfois, j'ai l'impression de perdre les pédales. Bienvenue au club. Mais on ne peut pas être fous tous les deux, Stéphanie. De toute façon, quelque chose de vraiment louche se passe ici. Je dois m'échapper. Et toi aussi. Parce que d'une certaine manière, que tu le saches ou non, je crois que nous sommes tous les deux coincés. C'est l'enfer. Et il me traite bien, mais il ne me laisse pas quitter cette chambre, même pour aller dans le jardin. Pas avant le mariage. Ah mais s'il y a un piano qui tombe, on sait pas, mais c'est dans les animés. Chacun met ça sur le dos de l'autre. Ils inventent des excuses, des trucs que j'aurais fait, mais dont je me souviens pas.
Alors je reste assise ici, je regarde le monde de ma fenêtre et j'écoute les bruits dans la maison. Chaque matin, un drôle de garçon vient à la maison et ramasse le journal. Il ne le livre pas. Il ramasse juste les vieux magazines que Madame Potsdam met dehors sur le porche pour lui. Et quand il oublie, le garçon se met vraiment en boule. Il me fait peur. Rien d'autre ? J'entends de drôles de grattements dans la salle de bain parfois. Comme si quelque chose glissait le long du mur. Comment dire ? Des griffes peut-être. Et Monsieur Potsdam, je n'aime pas la façon dont il me regarde. Ah, tu vas pas aimer la façon dont il te regarde. Tous les deux m'observent continuellement. Mais surtout lui. Tu ne crois pas qu'ils sont dangereux quand même ? Je crois que tout cet endroit est dangereux. Je crois que nous devons nous échapper avant qu'il ne soit trop tard. S'échapper, pourquoi pas ? Harvest est une prison, Steve. Ne l'oublie pas. Bien sûr que j'ai raison. Peut-être que mon amnésie n'est que partielle après tout. J'ai l'impression de te connaître. Comme si on s'était déjà rencontrés. Dans une autre vie. Peut-être qu'on vit vraiment ici. Peut-être qu'on était ensemble et que la même chose nous est arrivée. Un accident ou quelque chose comme ça. Aucun de nous n'a de bosse sur la tête, si c'est ce que tu veux dire. Tu ne t'es pas souvenu de quoi que ce soit d'autre ? Rien du tout. Eh bien, j'ai eu ces rêves récurrents. Juste des fragments vraiment bizarres. Des images abstraites, liquides, chromées. Probablement en rêve. Alors, t'as pensé à un moyen de s'échapper d'Harvest ? S'échapper, pourquoi pas ? Harvest est une... Tu n'as pas été enfermé dans ta chambre pendant une semaine, toi ? Tout dans Harvest semble tourner autour de ce satané ordre. Cet ordre de la lune d'Harvest. Ils sont responsables de cette affreuse kermesse qui va avoir lieu. Et de cette collecte de sang aussi. Ah, ça sent pas bon la collecte de sang. Quand les gens parlent de l'ordre, c'est toujours à mi-voix avec ce ton obséquieux. Ah voilà, une cimétie. Maman n'arrête pas de me dire que les femmes ne peuvent pas en faire partie, mais elle insiste pour que je t'incite à y entrer. On peut en faire plein, comme ça, des jeux, ça peut être simple. Elle n'est pas la seule à vouloir me faire entrer dans cette secte. C'est vraisemblablement la pire chose que tu pouvais faire. Tu crois que l'ordre est une sorte de piège ? Je crois qu'Harvest tout entier est un piège. Ah oui, mais il faut qu'il y ait des acteurs, c'est vrai, ça. Peut-être qu'entrer dans l'ordre est la porte de sortie. Écoute, pourquoi ne pas aller voir ce qui se passe en ville ? Je ne peux pas sortir d'ici, mais si je le pouvais, c'est ce que je ferais. Peut-être que tu pourrais comprendre ce qui se passe ici sans avoir à t'approcher de cet ordre. L'ordre te fait vraiment peur, on dirait. La nuit, je regarde cet édifice tout illuminé et ça m'effraie. Je veux dire, regarde-moi ça. On dirait des gens sans histoire pour toi. Peut-être que mon amnésie n'est que partielle après tout. Peut-être qu'on vit vraiment... Aucun de nous n'a... Tu ne t'es pas souvenu. Eh bien, j'ai eu ces rêves. Probablement. Alors... Ah, le mariage, ouais. Le mariage n'est que dans 3 semaines. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour faire connaissance, n'est-ce pas ? Non ? S'ils nous y forcent, nous ne prêterons pas serment. Je crois qu'à Harvest, les choses ne sont pas si simples. Trop de personnes sont déterminées à nous voir convoler. Mais pourquoi ? Potsdam veut la viande que ton père lui a promis. Tes parents veulent te forcer à t'installer. Madame Potsdam veut faire le mariage dans le bâtiment de l'ordre, et moi je veux juste me tirer d'ici. Ça n'a pas de sens. D'accord, bon, je vais lui dire salut. Reviens me voir très vite, d'accord ? Alors, on descend. Voilà, ça fait très bizarre là, le truc tout noir au-dessus de la truc en perspective. Ça me fait penser dans Humanity, là, quand il est en miniature, là, qu'elle va dans la maison avec tous les escaliers et tout, quoi. Mais voilà mon gendre préféré. Quel bon vent te ramène. Ah. Pardon. Vous avez un trou pour mater dans la chambre de Stéphanie dans votre salle de bain. Ça, alors, pas possible. Vous matez votre fille, n'est-ce pas ? De toute façon, Madame Potsdam est une lesbienne. On dirait que l'ancien propriétaire de la maison est un pervers. Alors, la... Madame Potsdam n'est jamais allée au Liban de sa vie. Quelqu'un mate Stéphanie ? Si ce n'est pas Madame Potsdam, alors c'est qui ? Il semble que Madame Potsdam a un petit problème. Je m'en occuperai moi-même. C'est un gros problème, merci quand même. Merci pour avoir attiré mon attention sur cette affaire, Steve.
Alors ça ne vous dérange pas que j'en touche deux mots à Stéphanie? Allons, inutile d'effrayer Stéphanie avec cette histoire. Sans doute pas, si vous vous décidez à boucher ce trou. Disons que je pourrais mettre ce tableau ailleurs. Comment il fait pour être au courant? Vous ne saviez pas où c'était? Je vais dire à Stéphanie le problème, parce que quand même, c'est pas... Steve, c'est sympa de discuter avec toi, mais si nous voulons échapper à toute cette histoire de mariage, tu ferais mieux de te renseigner sur Harvest. Et je pense que tu devrais commencer par l'ordre. Ah ben, l'ordre, il en a besoin dans ma chambre. C'est trou. Stéphanie, je crois que je dois te le dire. Il y a un trou dissimulé derrière le tableau dans la salle de bain. Tu veux dire, pour m'observer? Il m'espionne? Je le crains. Alors c'est ça les grattements que j'entends chaque soir. Le tableau qui glisse le long du mur. C'est répugnant. Je dois partir d'ici, Steve. Oh, juste imaginez ce gros porc qui m'observe. J'ai dit à Potsdam que j'étais au courant de son petit manège. Il a essayé de jouer les imbéciles, mais je lui ai fait jurer de boucher le trou. Merci, Steve. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Reviens me voir très vite, d'accord? Bah, j'ai envie de partir parce que là, c'est vraiment des tarés. Alors, sauvegarder. Je sauvegarde. Comme ça, si je meurs... Attendez. Voilà. Chez Johnson, maison abandonnée, cimetière, morgue. Ok, on va à la maison abandonnée. Ok, bah il y a des guêpes partout, j'imagine que c'est là où il y a la femme guêpe. Pourquoi on entre par la fenêtre et pas par la porte? Ah non, c'est parce qu'il y a le porte. Ok, alors elle est complètement tarée, elle vit avec des guêpes. Je me demande pourquoi elle s'appelle comme ça. J'ai rarement des visites. Je suis tête sua crumb. Ces ignorants d'Harvest m'appellent la femme guêpe. Une insulte certainement née de leur crainte et de leur pauvre petite imagination. Je ne comprends pas. Oh! Bon. La politique du miel est entremêlée à la lutte ancestrale de l'esthétique contre le commerce. Parce que j'ai décidé d'élever des guêpes plutôt que des abeilles, la communauté me désapprouve. Pourquoi? Eh bien, élever des abeilles est acceptable parce qu'elles produisent du miel. Mais parfois ce n'est pas tant ce qui est produit que ce qui est réalisé qui est important. Je ne vois pas trop l'utilité des guêpes. Pourquoi est-ce que tout devrait avoir une utilité? Est-ce que l'argent est toujours le facteur déterminant? Plus gracieuse, plus aérodynamique que l'abeille, la guêpe est un plaisir pour l'œil. Oh! Elle est jolie. Belle et savoureuse. N'est-ce pas assez pour compenser quelques inconvénients mineurs? Quand même. Inconvénients. Eh bien, comme tu peux le voir, ces petites chéries aiment piquer. Une autre raison de les haïr pour le peuple, et une autre raison de les aimer. Les abeilles sont comme tous les animaux, elles piquent seulement pour une raison, par sacrifice. Elles ne connaissent pas le concept de sentiment individuel, de plaisir. Plaisir. Oui, beaucoup de plaisir. La guêpe est un être sensuel, pas laborieux, hédoniste et non industriel. Certains les croient promptes à la colère. En vérité, elles sont aisément attirées par l'extase. Elles pénètrent votre chair. Et les contractions musculaires de leur thorax quand elles pompent leur venin peuvent être apparentées aux contractions d'une éjaculation. Chaque blessure douloureuse, un acte d'amour. Sacrifice. Quand une abeille pique, elle perd une partie d'elle-même
et meurent de son audace. Ça, c'est vrai, quand elle pique, elle perd l'audace. C'est pourquoi elle provoque l'admiration de ceux qu'on élève dans l'adoration d'un dieu qui exige sacrifice et expiation. Mais les guêpes ont des mœurs légères. Elles ne plaisent pas autant au public parce qu'elles ne meurent pas quand elles piquent. Elles vivent pour piquer de nouveau. Et elles y prennent plaisir. Bon, j'avais découvert ça par accident, mais... Alors... Désolé. Ah! C'est horrible. C'était le dard, là. Alors, le placard rempli de guêpes. Frigo est scellé avec un nid de guêpes. Bon, ça va. Alors c'est vrai, les guêpes, je trouve ça très joli comme animal, mais bon, voilà, personne fait du miel de... Ah oui, on se fait pas arrêter là pour ce meurtre, parce que j'avais découvert ça par hasard, on se fait pas... Fâcher Johnson, cimetière, il y a quoi d'autre? Caserne des pompiers, station de police... Une station de police, ok. Caserne des pompiers, du journal. Où est-ce qu'on peut aller? Café d'Edna. Chaîne de télévision. École du Mémorial Saint-Jean, abattoir. Alors, je suis un peu fatigué là. Ouais. J'ai envie d'aller à la chaîne de télévision. Voilà. Je vais d'abord enregistrer. Sauvegarde, au cas où je meurs. Alors. Trop occupé à fumer à boire, ils vous ignorent. Ok. Des Indiens font la queue, vous allez voir pourquoi ils font la queue. Je vais voir. Oh, on peut aller là. Restez branchés, les gars! Le rodéo de Range Rider vous réserve encore des surprises. Alors, ne partez pas! Hey, comment tu t'appelles, hombre? Steve. Steve? Ah, c'est un très beau prénom. Mon chien aussi s'appelle comme... Merci, merci. Tu veux mon autographe, Steve? Oui. Eh ben, le voilà. De la violence? Et alors? La violence est aussi américaine que le hamburger et les mauvais résultats aux examens. Où on en serait maintenant si les cow-boys n'avaient pas chevauché vers l'ouest et massacré des innocents pour leur voler leurs terres, Réponds donc à ça, monsieur, je sais tout. Mais des études ont tout de même montré que les jeunes devenaient de plus en plus violents à force de voir de la violence, non? Écoute, mon gars, moi je leur arracherai les tripes à ces Indiens, des païens sans foi. Et si c'est le cas, il ferait mieux soit de faire vérifier leur vue, soit de faire comme le vieux Range Rider et de les plomber à mort. Sinon, ils se feront interner dans un hôpital psychiatrique s'ils ne finissent pas avec leur scalp au bout d'une ceinture en daim. Les parents qui se battent contre la violence à la télé sont les mêmes qui sortent chaque matin pour acheter leur journal avec l'assurance qu'ils ne prendront pas une flèche dans le pruneau parce que la violence qu'ils haïssent tant a permis de nettoyer leur voisinage de tous ces sales Indiens. De la merde en autocollant. Les parents qui se battent contre la violence à la télé sont... C'est vrai, la violence a servi la civilisation, mais doit-elle être utilisée comme un divertissement? Jette un coup d'œil à mon taux d'audience, petit. La violence, c'est du divertissement. Moi, je me contente d'en mettre à la télé. Si certains mots me la regardent, ça en dit long à leur sujet. Pas sur moi. Maintenant, excuse-moi, on repasse à l'antenne. Alors, attends, je vérifie juste si... Ouais, j'ai la photo des gassets dans l'inventaire. Attends, je vais lui donner des tampons hygiéniques. Hé, hey, c'est royal. Faut que je monte en selle. Attends. Ah non, non, il y a pas pris. Exit, il y a un truc là. Ah, j'avais pas remarqué ça. Alors, la chaîne s'appelle War. La réception est lamentable, bizarre la définition par d'ici. Réception est là. Oh. Hé l'ami, c'est un bureau privé. Oui, je sais.
Vous êtes ? Monsieur McKnight, je possède et je gère cette chaîne. Vous m'apportez des informations pour le journal de ce soir ou ? J'ai perdu la mémoire. Ça, c'est de l'info. Ça, c'est sûr. Vous avez toujours été un blagueur, Steve. Mais vous n'auriez pas un vrai scoop pour moi ? En fait, je voulais juste en savoir plus sur votre chaîne de télé. Oui, les deux là qui bêtent, il faut la l'école. War est la seule chaîne de télé d'Harvest. Depuis que le Sentinelle a cessé de paraître, quand l'immeuble du journal a brûlé, on marche à plein régime. On est les meilleurs, l'ami. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Il ne faut pas dire des choses pareilles. Ce n'est pas parce que War a légèrement tiré profit de cet incident. Bon, d'accord. Les flammes de l'incendie m'ont réchauffé le cœur, mais c'est pas moi qui ai brûlé leur immeuble. Demandez au shérif Duane si vous ne me croyez pas. On dirait que vous n'aimez pas parler de cette histoire, l'ami. Je n'aime pas qu'on vienne fourrer son nez dans mes affaires. D'ailleurs, je pense qu'il est temps que vous sortiez d'ici, et n'y revenez pas. Tiens, j'ai envie de le taper. Non, je vais pas le faire. La musique affreuse. Ok, alors. Je vais sauvegarder. Attends, je me demande qu'est-ce que... Attendez, je prends les... Je... Oh là là ! Oh, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Oh là là ! Oh là là ! Alors, donc, on va aller à l'école. Je vous jure, quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. Le Gin Memorial. Alors, Gin, c'est Ed Gin, c'était le tueur en série qui faisait des masques avec le visage des femmes qui déterraient dans le cimetière ou qui tuaient. Le Memorial Gin, non, c'est pas possible. La vente de charité va avoir lieu ici. On va pas jouer avec les larmes. Alors, on va appeler le principal Eryl. Steve, mon grand, comme c'est gentil de passer. Je ne t'ai pas vu depuis la remise des prix. Beaucoup de changements, il paraît ? Ça, on peut le dire. Bien, bien, c'est le côté positif de ce travail. Offrir au monde des jeunes hommes et aussi des jeunes femmes et les voir prospérer. Bien évidemment, mon audience était plus large du temps du Sentinelle. Paix à son âme. D'un autre côté, je n'avais pas l'occasion de voir le résultat de mes efforts comme maintenant. Qui êtes-vous ? Tu sais parfaitement que je suis Monsieur Eryl, le proviseur du Mémorial Saint-Jean. Steve, on m'a parlé de cette ridicule histoire d'amnésie. J'espérais que tu ferais partie de l'ordre à présent. Mais maintenant, je pense qu'il vaudrait mieux que tu passes des moments enrichissants. Pardon ? Oula, 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 il y a beaucoup de trucs. Je vais prendre une photo. Moments enrichissants. Qu'est-ce que vous voulez dire avec moments enrichissants ? Certains, comme Mademoiselle Wallet, préfèrent associer la discipline à des châtiments corporels pour éduquer les individus. Personnellement, je préfère tempérer la discipline avec de l'amour. Un moment enrichissant peut être tellement positif et agréable. Après quelques séances, tu cesserais cette aberrante amnésie et deviendrais un membre productif de cette société, ainsi qu'un excellent candidat pour rejoindre l'ordre. Ok, d'accord. C'est dégueulasse. Tu t'en es assez bien sorti si on oublie cette stupide histoire d'amnésie. Ce n'est pas une histoire stupide. Tu as toujours été un farceur, Steve. Peut-être que tu aurais besoin d'une petite leçon. Ok. Ah, les choses que je pourrais te faire. Tu serais bien plus raffiné si seulement nous pouvions passer un moment enrichissant. Ta gueule. Oh. Alors, voyons voir. Sentinelle. J'ai envie de savoir Sentinelle. Sentinelle. Ah, si tu savais, le vieux quotidien me manque. Le shérif n'a jamais pris la peine d'enquêter en profondeur sur cet incendie. C'est peut-être mon instinct de vieux journaliste, encore que je ne vois pas pourquoi le shérif Duane dissimulerait quelque chose. Ah, il veut travailler à Libération. Ce que je veux dire, c'est que la seule personne qui pourrait tirer profit de la faillite du journal, c'est le propriétaire de la chaîne de télévision. Or, Monsieur Mike Knight a un alibi en béton. Mais s'il n'y avait pas eu ce feu, je ne serais jamais devenu le proviseur du Mémorial Saint-Jean. C'est peut-être mon instinct de vieux journaliste. Oui. Mais s'il n'y... Alors, proviseur. Ma position est l'une des plus enviables d'Harvest. Cette possibilité de modeler les esprits et les corps. Tu crois que le pouvoir est entre les mains du shérif de police, mon grand ? Mais il n'a affaire qu'à mes échecs. Lorsque mon travail est réussi, Duane est en chômage technique.
Ta gueule, oh, mon grand. Alors, mon grand. Là, il reste mes mains, ça gêne, mon grand. Pourquoi est-ce que vous m'appelez votre grand ? Par preuve de respect. En tant que proviseur du lycée, mon statut social est plus élevé que le tien actuellement. Mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Alors autant mettre toutes les chances de son côté. Il faut savoir ménager les subalternes. Parfois, il est difficile de dire qui prendra le pouvoir ou même de savoir qui tire les ficelles dans l'ombre. Si ça se trouve, tu es déjà un membre de l'ordre. Dans ce cas, tu serais mon supérieur. Et je ferais bien de te montrer ma bonne volonté et mon désir de passer un moment enrichissant avec toi. Mais ta gueule. Il faut savoir ménager les... Dans ce cas... Alors, il reste... proviseur... Mémoire à Saint-Jean. Mémorial Saint-Jean. Ah, désolé, là, je ne te suis plus. D'accord. Ok. Bon, ben, on va se dire salut. Ah, désolé, là, je ne te suis plus. Pour pouvoir récupérer la souris. Reviens me voir à l'occasion. L'éducation des adultes est une chose merveilleuse, tout comme les moments enrichissants. Voilà, bon. Allez, on va dans la salle de classe. Juste la salle de classe. Ok. A, B, C, C, D, E. Il n'y a pas tout l'alphabet, là. Un dessin approximatif de l'ordre. Ah, c'est pas vrai. Ils apprennent des trucs sur l'ordre. C'est pas possible. Dieu, les enfants, c'est Steve. Il était élève ici au Mémorial Saint-Jean. Dites bonjour, les enfants. Ils sont réticents. Le principal problème des enseignants aujourd'hui, c'est l'apathie des élèves. Qu'est-ce qui ne va pas avec leur tête ? Je peux te l'expliquer en un mot, Steve. Discipline. Dieu merci, tu n'étais pas un sale gosse. Tu as toujours été un gentil garçon. Alors, vous vous souvenez de moi ? Tant d'élèves, Steve, ne font que passer. Mais j'ai toujours remarqué ceux qui étaient de gentils garçons. Tu peux le savoir en regardant leur front, les lobes, n'est-ce pas, les enfants? Je suis heureuse que tu sois passé, Steve. Tu ne peux pas dire quelques mots à la classe sur la responsabilité civique? Eh bien, c'est que je ne faisais que passer. Mais tu dois faire ça pour moi, Steve. Un modèle positif, c'est peut-être ce qu'il faut pour inspirer ces petits monstres. Steve, as-tu des questions à me poser? Ou puis-je continuer la classe? Alors, pose-les! Nous ne pratiquons pas les châtiments corporels ici. Je n'ai jamais cru en ce vieux dicton qui aime bien châtie bien. Moi, je châtie sans aimer. Et rien de tel qu'une bonne batte de baseball pour réduire le fossé entre... Oh mon Dieu! Le colonel Monroe effectue encore une simulation d'attaque aérienne. Tout le monde dans le couloir, vite! S'il y a une bombe atomique, à quoi ça peut servir de se casser quelque part? D'accord, oui, c'est les lobes qui montrent si les gens sont des bons ou mauvais élèves. C'est quoi cette lumière? D'où Jésus, que c'était excitant! C'est fini, tout le monde en classe! Pouvez-vous me dire quelque chose sur Harvest? Harvest a été fondé par l'Ordre de la Lune d'Harvest il y a presque 100 ans. Dans quel but? Ça, je pense que tu devrais leur demander. Tu trouveras les membres de l'Ordre chez eux dans le bâtiment de l'Ordre. Cet ordre, qu'est-ce que vous savez à son sujet? Il a été bâti comme Harvest dans un but précis. Cette noble intention n'est connue que des membres de l'ordre. Tu as juste l'âge de te joindre à eux, Steve. Et tu le feras, si tu te préoccupes de ton avenir. Putain. Repasse nous voir quand tu veux, Steve. Alors... Tu es encore là à traîner? On croirait que tu n'as toujours pas ton diplôme. La nostalgie est une perte de temps, mon grand. Il faut savoir progresser. Reviens me voir à l'occasion. C'est plus sur les estomacs, ce truc. Hé, mais tu sors. Pour la Saint-Jean. Ouais.
Alors, abattoir. J'enregistre. Je prépare, je fais juste un truc sur mon téléphone. Je désactive là. Ok. Donc il y a des chats partout, c'est dégueulasse. Ils bouffent la bouffe. Et avant cette chose était un chat. D'accord. Alors il tue les chats qui traînent, il les bouffe. Steve, comment va ton père? Ça va mieux? Ouais, comme d'habitude, je pense. Ça fait des semaines qu'il vient plus travailler, et quand j'appelle chez toi, ta mère ne me laisse pas lui parler. Je ne l'ai pas vu non plus. Ah, nous sommes dans de beaux draps. Enfin, je suis content de voir que tu t'intéresses au métier en l'absence de ton père. Qui êtes-vous? Allez, Steve, j'ai toujours refusé de croire à cette histoire d'amnésie. Tu vas pas me dire que tu reconnais pas ton vieux pote, Pat O'Reilly? Qu'est-ce que c'est que tous ces chats? C'est quoi ici? Un abattoir ou un chenil? Oh, eux? Ils font les poubelles, c'est tout. Ouais, mais regarde-les. Y a pas un service d'hygiène qui les surveille? Tu veux travailler au service d'hygiène ou ici, Steve? Je commence à en avoir marre des messieurs je sais tout qui savent que critiquer le travail des autres. Certains travailleurs se cassent le dos toute la journée, tous les jours de l'année. Mais on leur en demande tout. Qu'est-ce qu'il a, ton père, exactement? Je ne sais pas, je n'arrive pas à le voir. D'accord, c'est génial. Tu vas réaliser que ce boulot n'est pas fait pour tout le monde. Tiens, demande à ton pauvre père. Il faut s'investir à fond. Et pas avoir froid aux yeux. C'est pour ça, ça des fois, le montage, ça fait très bizarre. Quand j'ai réussi à faire partir les morceaux d'intestin coincés sous mes ongles, je dois admettre que j'ai plus guère d'appétit pour un steak saignant. Mais la viande rouge a une importance capitale dans notre alimentation. Alors quand on peut faire ça toute la journée et s'envoyer un steak bien juteux une fois le boulot terminé, alors là, on est digne de porter le nom de boucher. Ah oui, c'est sûr, ça c'est un boucher. Edgin, c'était le boucher de Benfield. Être amnésique peut avoir du bon dans ce genre de situation. Amnésie. Écoutez, je ne blague pas avec cette histoire d'amnésie. Pourquoi est-ce que personne ne veut me croire ? Ah, t'as toujours été un sacré blagueur, Steve. C'est bizarre, on a l'impression que ça sonne faux. Comme si c'était le texte d'un acteur. Bah ouais. T'as vraiment l'air d'un farceur, mon garçon. Maintenant que ton père est malade, va falloir que tu te mettes à agir comme un adulte responsable. Surtout si tu dois prendre en charge l'entreprise de ton père. Viens me voir à l'occasion, Steve. Et mes salutations à ton père. Ok. Je réfléchis. Ouais. Ok, bon ben je vous dis au revoir à tous et à toutes. C'était le Kaiser Suprême, je vous souhaite Hieronymus Abaddon. Je vous souhaite un joyeux Halloween et au revoir. Et voilà, pour n'hésitez pas à vous abonner. La semaine vous aurez également notre épisode avec toujours plus de viande et toujours plus de moments enrichissants. Voilà, je vous dis au revoir, abonnez-vous et regardez mon livre.